Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par la Gazette des communes. Donc, la Gazette des communes, comme vous le savez sans doute, c'est plus de 150 formations en distanciel et en présentiel sur diverses thématiques, dont la thématique de la Smart City, notamment à travers un cursus certifiant en management de la Smart City et d'une formation spécifique pour se lancer dans la gestion intelligente et économique de l'éclairage public, qui va être notre sujet d'aujourd'hui. Donc, pour rappel et ceux qui étaient là le mois dernier, nous vous proposons cette année un cycle de webinaires pour justement traiter des sujets autour de la Smart City. Le premier rendez-vous avec Maître Audrey Morel était consacré à la notion de territoire intelligent et celui d'aujourd'hui l'est donc à la notion d'éclairage intelligent. Et nous sommes accompagnés pour cela par trois intervenants. Donc, Maître Audrey Morel, avocate qui traite de nombreux dossiers pour le compte d'acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de leurs projets d'infrastructure et d'aménagement urbain, en particulier dans les secteurs régulés tels que les télécommunications, l'énergie et les transports. Nous avons également à nos côtés donc Yves Raguin, qui est chef du département Autres infrastructures en réseau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, donc la FNCCR. Et enfin, notre troisième intervenant est Pierre Guillard, qui est directeur des relations institutionnelles France à la direction du développement BU Ville et Collectivités chez Engie Solutions. Et voilà. N'hésitez pas à leur poser vos questions au fil de l'eau grâce au petit module questions que vous avez à droite de votre écran et je le relaierai via Audrey pour qu'elle puisse interviewer et intervenir durant la présentation et poser les questions à nos orateurs de ce matin. Voilà, je leur laisse donc la parole à tous les trois et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. À tout à l'heure. Alors, Merci. merci Laurence. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux ce matin. Alors, effectivement, comme l'a dit Laurence, aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire d'une longue série sur la thématique globale, la Smart City, la théorie et la pratique. Alors, effectivement, le mois dernier, on avait un peu développé ce qui fait l'entendre par Smart City ou plus précisément par la notion de territoire intelligent à travers le concept de ville durable, de ville inclusive ou de ville moderne. Et aujourd'hui, donc, le but du jeu, hein, c'est d'évoquer avec vous comment l'exercice d'une compétence d'une collectivité aussi traditionnelle que la gestion de l'éclairage public peut s'inscrire dans un projet de territoire intelligent. Alors, juste pour préciser hein, ce qu'il faut entendre par éclairage public hein, et peut-être pour cadrer les choses, même si ça peut sembler naturel pour certains, l'éclairage public, il ne faut pas confondre ça avec la gestion du service public de l'énergie. Hein. Et l'éclairage public, c'est la gestion du parc de points lumineux, la gestion donc, de l'éclairage que vous avez sur le domaine public, dans les lieux publics. Aujourd'hui, l'éclairage public, c'est quoi? C'est la gestion par les collectivités de 10 millions de points lumineux. J'allais dire juste 10 millions, hein, mais bon, je ne vais pas faire de litote. Donc, vous voyez que c'est quand même un parc énorme qui correspond aujourd'hui au premier poste de consommation d'électricité des communes. Donc, si vous voulez, derrière l'exercice de cette compétence, hein, il y a deux enjeux, hein. C'est de quelle manière les collectivités peuvent effectivement améliorer leur consommation d'électricité par la gestion de ce parc en faisant appel à des technologies innovantes ou intelligentes, hein, on va le voir plus tard. Parc d'éclairage qui, dont 75% hein, aujourd'hui, hein, commence en fait à devenir obsolète. Donc, à travers ça, il y a la question aujourd'hui de savoir si, est-ce que les collectivités aujourd'hui, hein, à travers la rénovation de leur parc de luminaires, quel va être le choix qu'elles vont faire? C'est-à-dire, entre guillemets, est-ce qu'elles vont maintenir ce parc en l'état ou le rénover avec des technologies intelligentes? Donc derrière, si vous voulez, il y a plusieurs enjeux pour les collectivités. Il y a un enjeu de réduction de l'économie d'énergie. Il y a un enjeu de sécurité, puisque à travers ça, il y a une pression de plus en plus forte hein, de la part des citoyens, si vous voulez, à travers la compétence d'éclairage public. Hein. C'est qu'effectivement, cette compétence concourt en fait à une amélioration de la sécurité urbaine. L'amélioration de la sécurité sur le domaine public. Il y a un enjeu aussi d'attractivité hein, pour les communes, puisqu'une commune hein, avec, on va dire, un parc lumineux bien géré,
qui peut offrir de nouveaux services, en tout cas, et source d'attractivité hein, pour les collectivités. Il y a aussi un enjeu, effectivement, de nouveaux services qui doivent être fournis aux citoyens. Alors, doivent être fournis ou est-ce que c'est plutôt une option hein, laissée aux collectivités? Tout ça, on va y revenir. Mais pourquoi l'éclairage public aujourd'hui, pourquoi l'éclairage intelligent aujourd'hui est un modèle type de projet Smart City? Parce qu'il correspond à la fois, comme on l'a vu dans le dernier webinaire, hein, il s'inscrit à la fois dans la notion de ville durable, avec la possibilité de faire des économies importantes d'énergie. À travers la notion de ville inclusive et la fourniture de nouveaux services aux citoyens, le renforcement de la sécurité, l'attractivité des territoires et l'appropriation de nouvelles technologies. Si vous voulez, l'évolution de l'éclairage public, il peut se faire, il se fait entre guillemets, il peut se faire de manière progressive, à la fois effectivement en action de nouvelles technologies. Des LED en améliorant la gestion, enfin le mode de gestion du parc d'éclairage public, mais effectivement à travers aussi l'appropriation par de ces nouvelles technologies pour fournir des nouveaux services à travers la mise en place de capteurs sur les mâts d'éclairage, à travers l'introduction d'un réseau de caméras ou d'un système d'alerte plus performant qui peuvent concourir effectivement à l'amélioration de la sécurité, à la fourniture d'un service de connexion à travers la technologie Wi-Fi ou grâce à la 5G, hein, puisque c'est un sujet d'actualité, hein, à travers l'introduction des small cells. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la notion d'éclairage public ne peut pas, en tout cas, s'appréhender de la même manière qu'il y a encore 30 ans. Mais doit s'appréhender de manière globale à travers la notion d'environnement, à travers la notion d'économie, à travers la notion de sécurité, à travers la notion de connectivité. Donc aujourd'hui, on va évoquer avec vous de manière plus concrète qui gère concrètement hein, ce service d'éclairage public. Comment les collectivités doivent s'approprier des nouvelles technologies pour renouveler, dans le cadre du renouvellement de leur parc lumineux, comment les acteurs privés répondent maintenant aujourd'hui aux besoins des collectivités, comment leurs offres évoluent, comment ils se positionnent aujourd'hui auprès des collectivités et quels sont aujourd'hui donc les retours d'expérience hein, concrètement qu'on a hein, sur des nouveaux projets d'éclairage public hein, et notamment les modalités de financement. Donc, sur le premier point, je vais laisser d'abord la parole à Yves Raguin, puisque la FNCCR, entre guillemets, représente tous les acteurs publics en charge de la gestion de l'éclairage public. Et la FNCCR est même une partie prenante hein, des pistes d'amélioration de ce nouveau service. Donc Yves, je vais vous laisser présenter la FNCCR et aussi nous expliquer, faire un petit panel hein, des différents acteurs publics aujourd'hui qui exercent cette compétence et l'imbrication en fait des différentes collectivités justement pour justement mettre en œuvre, renouveler, en tout cas moderniser ce service. Oui, merci Audrey. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Avec un salut particulier, vous me permettrez quand même aux adhérents de la FNCCR ici présents, j'ai vu la liste, voilà, et je voudrais saluer nos élus, nos ingénieurs et techniciens à qui j'ai le plaisir de travailler régulièrement. C'est que nous sommes une grande famille à la FNCCR. Donc, je voulais saluer nos adhérents et amis. Voilà. De ma présentation, j'aurais aussi, si je peux me permettre, ajouter aussi on m'a présenté comme le responsable du département de toutes les autres infrastructures en réseau, mais j'ai aussi l'honneur et le plaisir de représenter les entreprises locales de distribution, les fameuses ELD. Voilà, ça c'est un honneur et un plaisir de les représenter, tant au niveau européen que national. Et je voulais aussi souligner le travail extraordinaire de proximité, d'ailleurs, de services qu'elles rendent à leur collectivité, à leurs citoyens. Voilà, donc je m'occupe aussi des ELD à la FNCCR. Alors, la FNCCR, ben, c'est une vieille dame qui a bientôt 90 ans, mais qui n'a jamais été si moderne, parce qu'elle est toujours dans l'actualité et réformatrice, hein. Elle est née en 1934 pour répondre aux besoins des élus, qui avaient pris conscience que les réseaux leur appartenaient. Ça, c'est par la loi du 15 juin
1906. Donc, tous les réseaux publics de distribution de fluides, l'eau, l'électricité, le gaz, la chaleur, bon, le froid, etc., appartiennent aux collectivités. Bon, beaucoup de Français l'ignorent, même beaucoup d'élus l'ignorent. 30% des élus savent que les réseaux leur appartiennent aux collectivités. Donc, les réseaux appartiennent aux collectivités, et à l'époque, avant la nationalisation de l'EFGDF, 2400 entreprises seront nationalisées, mais s'entendent et s'organisent autour d'un puissant syndicat qui va faire le pli du beau temps, qui s'appellera le SNPPDE, Syndicat National des Petits Producteurs et Distributeurs d'Électricité. Et ils vont faire ce qu'ils voudront. Voilà. Ils interconnectent pour les réseaux dans une même ville, les tarifs sont complètement différents, on fait baisser la production pour faire monter le prix de l'électricité, le prix de vente, il n'y a pas de cahier des charges de concession, etc., etc. Bon, les élus prennent conscience de cet état de fait et vont créer la FNCCR pour défendre les intérêts des collectivités. Je vais faire court, Audrey, rassurez-vous, hein. Mais c'est important d'expliquer quand même les fondamentaux. Voilà. Eh bien, la première action que mènera la fédération, ce sera la création du FACÉ en 1936, le FPE en 1946, c'est l'article 33 du FPE, de la loi de nationalisation, le FPE. Et puis, bah, la fédération mettra quand même 25 ans pour mettre en point le premier cahier des charges de concession. Personne ne voulait entendre parler de cahier des charges et le SNPPDE luttait, pensez bien, pour ne surtout pas payer de redevances de R1 ou de R2. Bon, je refais court. Voilà. Donc, vraiment, une instance politique à la disposition et au service de ses élus et des collectivités. Alors, les trois grands piliers sur lesquels s'appuie la fédération historiquement, et ça, c'est pratiquement un axe stratégique qui est intangible depuis 1934. Trois grands piliers. Non, c'est avant. Les valeurs, qui s'appuient sur les valeurs. Ça, c'est faut absolument que j'en parle, même si vous voulez très vite. C'est fondamental. C'est la cohésion territoriale et sociale, parce que nous considérons que toute l'énergie distribuée en réseau public participe de l'aménagement du territoire. Ça, c'est important. La cohésion territoriale passe par la péréquation tarifaire, qui est une des valeurs liées, chevillées au corps de la FNCCR, donc péréquation tarifaire. Le deuxième pilier, c'est la démocratie locale. Bah, quand je dis démocratie locale, ce sont aussi les décisions prises localement. C'est pas à Paris de décider. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est dans un état régalien, un état très jacobin, sauf que ce sont les élus locaux, la gestion de la pointe, par exemple, les DMA, les départs mal alimentés, les clients mal alimentés, bah, ça se règle au niveau local. Un exemple très concret dans le domaine de l'éclairage public, pendant le confinement, moi j'ai eu plein de questions de collectivités, de syndicats, d'élus qui m'interrogeaient sur la doctrine de la fédération. On est confiné, personne ne sort, est-ce que je dois couper la nuit? Ben, si c'est monsieur le maire ou le président, c'est pas nous de répondre, c'est à vous de prendre la décision. Voilà. Donc la décision, elle est locale. Ça, c'est le deuxième pilier important. Et le troisième, vous l'avez compris, ben, c'est la défense du service public, l'intérêt général, parce que derrière, nous protégeons bien évidemment les collectivités et un terme que nous tenons, auquel nous sommes attachés, ça fait très 1789, nous défendons les intérêts des citoyens consommateurs. Et ça, c'est un mot qui est d'une modernité incroyable. Voilà. Alors, la fédération contient à peu près 900 adhérents, un peu plus de 900, avec 1200 adhésions. Dans l'eau publique, dans l'eau, si le cycle de l'eau, on tangente les 600 adhérents, en régie, on couvre à peu près 70% du territoire au niveau des adhérents en eau. Hein. Voilà, donc on accueille près de 900 adhérents, mais tous nos adhérents sont des collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes. Voilà, vous avez une typologie que je vous laisse lire, que vous pourrez découvrir. Voilà. Alors, nous avons aussi des opérateurs publics privés, je pense aux régies, je pense aussi aux SEM, il y a différentes, mais dans tous les cas, ce sont des collectivités. Voilà, on peut passer à l'aspect suivant. Alors, ça, c'est important de m'arrêter sur ces cinq axes stratégiques dans le domaine de l'éclairage public. Là encore, c'est intangible. Je pense que ça va peut-être faire après l'objet d'échanges, de questionnements de la part des participants. Pour nous, le premier axe stratégique, et on l'a vu d'ailleurs avec l'électricité, avec la loi du 7 décembre 2006,
hein, lorsqu'il y a eu la loi sur la départementalisation, et c'est là que les syndicats primaires ont été supprimés au profit des grands syndicats, parce que nous considérons nécessaire aujourd'hui d'avoir une maille. Alors, ça peut être une maille départementale, ça peut être une maille métropolitaine, hein, la maille de la métropole, mais il faut massifier. Ça, c'est un des enjeux importants pour nos adhérents, ça faut bien le comprendre, parce que grâce à la massification, ben, vous allez rationaliser la desserte, et puis surtout, vous allez mutualiser et réduire les coûts, vous allez mutualiser les moyens d'abord humains, les moyens financiers. En mutualisant, vous allez avoir, avec une maille, vous allez avoir une vision politique, on y reviendra tout à l'heure. Lorsque vous faites un SDAL, vous développez un schéma directeur d'aménagement lumière, ça n'a aucun sens, ou peu de sens de faire un SDAL pour une petite collectivité composée de 150 âmes. Mais si vous massifiez, là vous avez un schéma directeur, et à partir de là, vous pouvez orienter l'éclairage public dans une dimension collective et mutualisée, où tout le monde est gagnant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe stratégique, cette mutualisation, rationalisation. Et il y a un bel exemple qui est porté aujourd'hui par le SDEF, le syndicat du Finistère. Je sais que le président Coroller Cochalu est ici présent. Et le syndicat, le SDEF, porte un projet justement qui va dans ce sens. Je pense qu'il pourra peut-être le présenter tout à l'heure. Le deuxième axe stratégique, ben vous l'avez bien compris, c'est donc une des conséquences de cette mutualisation et de cette rationalisation, ben c'est le transfert de la compétence. Et on le voit bien, et ça sera aussi, je pense, au cœur de notre échange, de nos échanges tout à l'heure, les petites ou moyennes communes, ben, sont démunies de compétences, et c'est normal, de compétences techniques, de moyens financiers, et puis sont la proie surtout d'entreprises qui ne sont pas toujours vertueuses, qui sont plus intéressées pour chasser les C2E. Alors nous militons pour que ces collectivités transfèrent leurs compétences intégrales auprès de l'ODE. Alors l'ODE, ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, les EPCI à fiscalité propre, hein. Donc ça peut être des syndicats, ça peut être aussi des métropoles. C'est important parce qu'aujourd'hui, une collectivité peut transférer les investissements, les travaux neufs, et garder la maintenance. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un peu 45% des collectivités en France ont transféré leurs compétences. Transférer les compétences ne retire en rien le pouvoir de police du maire. Hein. Je me permets de le rappeler également. Hein. Voilà. Et transférer les compétences, bah, c'est s'asseoir ou s'adosser à des compétences détenues au sein de grandes structures, bah, qui assurent des veilles technologiques. Parce que c'est compliqué l'éclairage public, hein, qui répondent aussi aux exigences réglementaires, je pense à la DT, des ICT, etc. Voilà. Faut pas hésiter à transférer les compétences, et nous on milite à la FNCCR pour ce transfert, et on essaiera de faire changer la loi, je vous annonce tout de suite la couleur. Il y a aussi un élément auquel moi je suis très attaché, c'est bien de dissocier la compétence éclairage public de la compétence voirie, parce que le CGCT n'est pas clair aujourd'hui dans le code des collectivités, vous apercevez que l'éclairage public est qualifié d'accessoire de la voirie. Et ça veut dire quoi, accessoire? Et quand un élu a un budget à dépenser, enfin à dépenser entre guillemets, bah, il va refaire sa voirie. Je le vois bien, moi, par rapport au questionnement, lorsqu'il a à choisir, bah, il va choisir bah, de refaire le revêtement, refaire les sols, etc. L'éclairage public passe en deuxième position. Et tant que l'éclairage public ne sera pas considéré comme une compétence à part entière, ça posera problème, d'ailleurs notamment dans la recherche de financement. Là encore, on y reviendra tout à l'heure. Donc, nous pensons que cette compétence doit être une compétence en tant que telle. Et là, je vous garantis que je travaille pour légiférer sur ce domaine-là. Voilà. Troisième axe stratégique. Vous parliez tout à l'heure, Audrey, de 10 millions. Moi, j'en sais rien. J'ai lu des documents. Alors, on dit, sur le bois mouillé, on parle 10 millions. Environ. On parle de 9 millions et demi, de 11 millions. J'ai même lu 11 millions. En réalité, on Qui en dit sait mieux rien. Qui dit mieux? On ne sait pas. Alors, c'est important d'améliorer la cartographie, avoir connaissance du patrimoine quand même des collectivités, hein, ce qui permettrait de planifier, de financer le renouvellement de l'EP. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler sur une cartographie. On parle des LED, on ne sait pas.
On ne sait pas, on parle de 15%, 10%. Le taux de rotation, taux de renouvellement, l'ADEME affiche 6%. Nous, à la Fédération, avec nos propres calculs, on considère le taux de renouvellement de l'EP, ce serait plutôt 4,5%. En réalité, tout ça, c'est au doigt mouillé. La DGPR nous a demandé, nous, à la FNCCRF, d'ouvrir un chantier pour créer une cartographie et recenser au niveau national le patrimoine de l'éclairage public. Et ça, avec Guillaume Lebris, hein, qui travaille avec moi à la FNCCR, que je salue, là, qui est ici, nous allons ouvrir ce groupe de travail à partir du mois de juin. Voilà. Donc, c'est important d'améliorer la connaissance qui est recherchée notamment par la DGPR, hein, voilà, qui est fortement soutenue par la DGPR. Ce qui est aussi important, c'est dans toute la dimension politique de nos élus, c'est d'intégrer l'EP dans les plans climat, air, énergie, territoriaux, les fameux PCAET. Alors, le problème, c'est que ces PCAET s'adressent à des populations, aux EPCI, hein, qui ont plus de 50 000 habitants. C'est 20 000 maintenant. Comment ? 20 000. Ah, j'avais noté 50 000, ah, merci. 20 000 depuis 2020. Au niveau des régions, il y a aussi les SDRAET, et puis vous avez, on y reviendra aussi, vous avez les TEPCV. Le problème, c'est que l'éclairage public, aujourd'hui, personne n'en parle. On sait qu'il y a de gros besoins de renouvellement de l'éclairage public, on parle de 100 milliards. Sauf que dans le plan de relance de 100 millions, vous n'avez pas une ligne, il n'y a pas un mot sur l'éclairage public, il n'y a pas un centime de financement pour l'éclairage public. Je me permettrais de dire pratiquement que l'éclairage public est invisible auprès de nos élus nationaux. Donc, il faut le rendre visible. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut intégrer cet éclairage public dans les différents plans qui puissent exister. Dans la loi sur la transition énergétique et la croissance verte de 2015, vous n'avez pas un mot. Alors, la transition énergétique, bien sûr, on en parle. Il n'y a pas un mot sur le financement. L'éclairage public n'apparaît nulle part. Voilà. Il faut rendre visible l'éclairage public au niveau politique. Voilà les 5 axes stratégiques sur lesquels s'appuie et veut développer la FNCCR. Voilà. Alors, Yves, juste pour peut-être pour résumer ce que vous venez de dire, donc, j'ai envie de dire la première brique. Avant de parler d'éclairage intelligent, hein, de projet, de voir comment ça s'attaque dans un projet Smart City, c'est plutôt de voir de quelle manière l'exercice de la compétence aussi éclairage public peut être amélioré à travers une rationalisation de cette compétence d'un point de vue territorial et aussi à travers l'amélioration de la connaissance du patrimoine par les élus. C'est la première brique, hein, entre guillemets, qu'il faudrait… Tout est lié, il n'y a pas d'ordre. Hein. Les cinq axes sont liés, bien évidemment. Hein. Mais là où je rejoins, c'est que je pense qu'effectivement, le fait que la compétence éclairage public ne figure pas en tant que telle comme une compétence à part entière dans le CGCT, je me demande si ce n'est pas pour ça, effectivement, qu'il y ait un problème de dissociation de compétences, enfin, que les pouvoirs publics, en tout cas, ne se saisissent pas de cette compétence à même niveau que les autres, quoi. Parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, elle est diluée dans la masse. Et du coup, ça fait perdre de la valeur, en fait, à cette compétence dont l'enjeu, pourtant, entre guillemets, est tout aussi important que les autres. Majeur. Je partage à 100%. Effectivement, l'éclairage public est considéré comme un accessoire de la voirie. Et au regard des enjeux que vous avez très justement cités, les enjeux sociétaux, sécuritaires, environnementaux, économiques, politique, etc., les réseaux techniques, les enjeux techniques, les enjeux de data, de propriété des data, on ne peut plus considérer aujourd'hui l'éclairage public comme un seul accessoire de la voirie. Il faut donner les lettres de noblesse de l'éclairage public et c'est un sujet sur lequel moi je veux vraiment m'attaquer. Voilà. Et on va mobiliser nos élus et nos parlementaires. On va y venir pour présenter la FNCCR. Voilà. Alors, nos groupes de travail 2021, vous voyez que nous sommes très, très ambitieux. Hein. Bon, rapidement, nous travaillons actuellement sur une convention avec Enedis, nos amis que je salue, Enedis, aujourd'hui présent, sur les appuis communs. Alors, c'est vrai qu'Orange essaye de faire passer la fibre sur les mâts. Pour nous, c'est même pas pensable. Ce n'est même pas pensable. Voilà. Donc, on travaille sur un modèle d'appui commun avec Enedis, avec Orange. Voilà. Il y a aussi. Ah oui, on va lancer avec Guillaume un modèle de convention nationale parce qu'on voit bien que les masses sont aujourd'hui de plus en plus sollicitées
notamment pour porter des petits équipements ou alors des. Vous parliez de capteurs tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des capteurs qui mesurent la qualité de l'air, qui, avec des capteurs, on peut lancer l'arrosage automatique de jardins publics. Enfin, on peut faire plein de choses, peut-être qu'on développera tout à l'heure. Et l'EMA, on peut mettre aussi de la signalisation. Enfin, on peut faire plein de choses là-dessus. Oui, je suis d'accord. Sauf que l'EMA sont. Comment? Oui, je vais rebondir là-dessus. Est bien placé. NJ Solutions est bien placée, mon cher Pierre. Tu le sais bien, avec tous les services que vous rendez aux collectivités. Et les masses sont de plus en plus sollicitées, sauf que bien souvent, il n'y a pas de convention qui lie la collectivité, qui est propriétaire des réseaux, j'y reviens, avec l'opérateur. Alors peut-être qu'il y a quand même une convention juridique, et puis il y a peut-être aussi des redevances à pas oublier à verser aux collectivités. Voilà, donc on travaille sur ce modèle de convention, on va lancer le chantier au mois de mars, et j'espère point de sortie fin d'année. Voilà. La maintenance via la. Ah oui, un gros chantier aussi, ça, sur la technologie LED. Je vais aller rapidement. Les données, j'en ai parlé aussi des données d'éclairage public. Ça, c'est une commande de la DGPR, hein, Direction des Préventions des Risques. Bon, j'en parlais tout à l'heure pour cartographier puis identifier le. Inventorier le patrimoine de l'éclairage public. Est-ce que c'est 9,5 millions ou 11 millions, André? On le saura. Voilà. Et puis, on travaille aussi sur un StarElect qui est un modèle d'échange de données. Un standard, on essaye de mettre un standard dans le cadre des TDICT. Voilà. StarElect EP, il y a l'équivalent pour les réseaux de distribution d'électricité. Bon, je fais court. Alors, ce qui est intéressant, nous, à la Fédération, dans notre. Alors, ça vaut pour toutes les compétences, hein, aussi bien dans l'énergie, dans l'eau, dans le numérique, etc., etc., les réseaux de chaleur. Notre mission, c'est de répondre et d'appuyer et d'accompagner politiquement, force de lobbying à la fédération, d'accompagner nos adhérents dans leurs réponses techniques, d'accompagner juridiquement, politiquement, mais aussi de créer des modèles nationaux. Alors, nous avons, l'année dernière, nous avons créé un modèle national. Alors, ce n'est pas un modèle de CCAP, CCTP, parce qu'il y en a plein. À la limite, chaque modèle est unique. En revanche, on a fait un guide. Voilà, on a créé un guide sur lequel peuvent se référer les collectivités, hein, quand ils bâtissent leur CCAP, hein, leur CCAP, ce sont les clauses administratives particulières, et les CCTP, ce sont les clauses techniques. Voilà. Donc, on a créé un guide, hein, et dans le guide, on donne l'essentiel, les choses qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, c'est un modèle national qui est à la disposition de nos adhérents. Nous avons aussi, alors ça, c'est la grande fierté de la fédération, parce que c'est la première fois que ce guide a été créé, et existe d'ailleurs, hein, un guide de l'élu pour aider les élus à se repérer dans le domaine de l'éclairage public. Alors, il y a quatre axes plutôt. Ce guide que vous voyez en photo là porte une dimension politique, une dimension économique, une dimension technique, parce que vous savez aussi de quoi on parle, et puis aussi une dimension bien évidemment environnementale. Donc, les quatre sont liés. Donc, c'est un guide de un peu moins de 100 pages qui est illustré de plusieurs photos, hein, pour bien préciser, montrer des choses. Et puis aussi qui est agrémenté de fiches pratiques. Et nous nous sommes posé la question avec les élus, hein, je crois, il était réalisé sous l'égide du président Jacquenet, hein, qui préside la commission éclairage public à la fédération. Et puis il y avait aussi le président Coroleur, président du Finistère. Et les questions que peuvent se poser les élus, on s'est dit, quelles questions peuvent-ils se poser? Par exemple, est-ce que je dois couper la nuit? Vous avez une fiche pratique. Et donc, des questions et nous avons des réponses. On ne détient pas la vérité, mais on voit parfois, on renvoie aux responsabilités des collectivités. Une fiche sur les DT, DICT. C'est quoi ce truc-là? DT, DICT, toutes les obligations. C'est quoi? Voilà. Donc, on répond sur les DT, DICT. Vous avez une fiche pratique sur les SDAL. À quoi sert un schéma directeur d'aménagement lumière? Voilà. Donc, c'est un guide pratique que vous pourrez télécharger sur le site de la fédération, puis autrement, on le remet sous fond de papier à nos adhérents. Ça, c'est réservé aux adhérents éclairage public de la fédération. Je lance aussi un appel, si vous l'adhérez à la fédération, n'hésitez pas à me contacter, vous serez les bienvenus. Voilà, sachez aussi que, j'en profite quand même, Audrey, vous me permettrez, et sachez aussi que nous sommes en train de rédiger un guide en partenariat avec l'ADEME, l'AFE et le syndicat de l'éclairage aussi. Alors, le guide à peu près une petite quarantaine de pages, un guide sur l'éclairage extérieur qui prendra en compte aussi l'éclairage privé, l'éclairage des bâtiments. Nous, c'est vraiment notre guide porte essentiellement et exclusivement sur l'éclairage public. Voilà, donc toutes les productions et tous les GT
prévu en 2021, puis l'esprit des productions de la FNCCR, différents modèles communs. Juste Yves, une petite question qui rejoint une question d'un des participants. Les DAL, ces schémas aujourd'hui, ils sont portés par qui majoritairement? Ben, les collectivités. Non, non, mais quel type de collectivité, je veux dire? À quel niveau? Alors, vous avez tout niveau. Vous avez moi, je connais une petite collectivité qui a mis le PDL, enfin, mis le foyer, point lumineux, pardon, qui m'a demandé comment faire un stall. Est-ce qu'on peut être formé? Comment faire? C'est à toute échelle. Et évidemment, ça prend du sens si le stall, on revient à la maille, s'inscrit dans une maille territoriale. Alors, à titre d'information, nous organisons un webinaire de notre côté, nous, à FNCCR, au mois de mars, qui portera justement sur les SDAL, les schémas directeurs d'aménagement lumière. Et vous avez le LNE, le Laboratoire National de Métrologie, hein, qui prend des photos aériennes, hein, pour montrer, faire une cartographie à présenter aux élus et de voir comment on peut corriger ce à travers différents schémas, tous ces foyers lumineux, peut-être en ce sens supérieur. Voilà. Donc, Donc, les SDAL seront portés lors de notre webinaire du mois de mars. Je ne sais plus la date, je vous la donnerai tout à l'heure. Peut-être que Guillaume pourra préciser la date. Voilà. Donc, les SDAL, c'est à tout niveau, à toute échelle. Ça peut être au niveau local, départemental, interrégional, métropolitain. Voilà. D'accord, il n'y a pas de préconisation, comme on peut voir un peu sur les schémas directeurs d'aménagement numérique, où c'est plus porté par des départements ou des régions, dont un souci de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, aussi pour rationaliser un peu la compétence. Il n'y a pas de, sur ce point-là, la FNCCR n'a pas de position. Non, c'est le 8 avril. Non, il faut bien comprendre que moi j'aime bien l'expression de l'AFE éclairée juste. Moi j'aime bien cette expression éclairée juste. Le coût, parce que l'éclairage public, on l'a vu, vous l'avez dit vous-même, a un coût énorme. Hein. C'est 48% de consommation, toute énergie confondue des collectivités. Alors, je pense au fuel, je pense au gaz, au naturel, etc. 48%, c'est énorme. C'est 17% des budgets de collectivités. Et l'éclairage public mobilise une tranche nucléaire, 1260 mégawatts, de puissance installée. Et on tangente les 6 terawatt-heures de consommation, 6 milliards de kilowatt-heures, c'est énorme, les enjeux sont énormes. Donc, il faut éclairer juste et intelligemment et au moindre coût. Voilà. Et c'est ça le but du SDAL. On représentera le SDAL le 8 avril. Voilà. Très bien. Ah oui, alors ça, c'est important également. Donc, la fédération dispense des formations, parce que nous sommes accrédités comme formateurs. Hein. Alors, on n'est pas référencé. Alors, dans le temps, c'était DataDoc. Il y a un nouveau nom, j'ai oublié le nouveau nom. Mais nous sommes accrédités et habilités pour former et des élus et des techniciens. L'année dernière, nous avons formé 248 sessionnaires. Alors, il y avait des agents, des collectivités, mais vous aviez aussi des techniciens d'entreprises privées. Ouais, nous formons aussi des collègues du privé. Voilà. 97% de tours, alors je profite d'autosatisfaction parce qu'il faut toujours être prudent, mais 97% de satisfaction, on s'appuie sur des compétences de grande qualité. Et le spectre de nos formations part depuis l'initiation. Alors là, on rappelle les fondamentaux auprès des élus, hein, et puis aussi des techniciens, et puis jusqu'au perfectionnement. On va parler des normes, la 17200, la 13200. Hein. On va former aussi sous forme de webinaire et en présentiel de l'arrêté des nuisances lumineuses. Arrêté qui est très très mal écrit. Donc faut le décrypter déjà. Faut le comprendre, cet arrêté du 27 décembre 2018. Et d'ailleurs il est tellement mal écrit qu'il a fait déjà l'objet de deux arrêtés complémentaires de rectification. Enfin voilà. Voilà. Donc nous formons sous forme de webinaire de 2 heures. Hein. 600 euros, voilà, pour les adhérents et 170 pour les non-adhérents, mais aussi en présentiel. Voilà. Donc, nous assurons des formations c'est le cœur de métier de la fédération. Hein. Et nous organisons aussi des webinaires
Ben non, j'ai honte, c'est 18 mars mon webinaire. Attendez, je suis ridicule. J'ai marqué 4 avril, attendez. J'aurais dû. Mais je connais pas mon site. Non, non, c'est bien le 18 mars pour les dalles. Bon, j'ai la honte. C'est le 18 mars pour les dalles. Voilà. Donc, il y a un webinaire. Vous êtes fortement et amicalement invités. Et puis, nous aurons également, nous organisons un webinaire le 19 mars sur la, justement, sur la pédagogie de sobriété lumineuse le 19 mai. Voilà, non, le 18 mars. Voilà. Et puis, nous menons aujourd'hui, enfin, nous avons lancé deux études cette année, là, une sur la cybercriminalité. Parce que les réseaux d'éclairage public ne sont pas exempts d'attaques de cybercriminalité. Également une étude, beaucoup d'adhérents nous demandent de mutualiser les achats. Alors c'est vrai que d'acheter un robinet en gaz, un TR13, si j'ai bonne mémoire, hein, ou acheter un robinet en eau polo, un robinet de coupure, c'est plus facile que d'acheter des lampadaires en électricité. Mais voilà, donc nous on pourrait se positionner dans la mutualisation des achats, soit en conseil et en accompagnement de nos adhérents, soit pour les aider à rédiger leur support méthodologique, c'est compliqué. On peut se positionner comme coordinateur d'achat, ou alors, ce que je ne souhaite pas, je vous l'avoue aussi, comme centrale d'achat. Bon, ça peut être une position, mais voilà. Donc aujourd'hui, on lance une étude, toujours dans l'intérêt de nos adhérents. Voilà. J'aurais dû regarder ce slide-là avant. Voilà. Ah oui, alors les enjeux, avant de parler, avant de rentrer dans le cœur de notre webinaire. Alors nous déjà, je vais couper court, on ne parle jamais à une expression, couper court une expression, on ne parle jamais de smart cities. Alors c'est très à la mode, les smart cities, les smart grids, les smart smart. Nous, on est des bons terriens, très attachés à notre terroir, hein, et nous parlons, nous, de territoires connectés. Voilà, smart, ça fait très urbain. C'est vrai qu'aujourd'hui, 80% de la population française vit dans une ville. Et si on associe toute la partie périurbaine, c'est 90% des Français. Bon, ceci dit, 80% des Français rêvent de vivre à la campagne. Mais le fait est là, 80% des Français vivent dans une ville. Mais cette notion de smart city, ce mot city, est très connoté. Et nous, je vous l'ai montré tout à l'heure, nous sommes attachés au territoire national à travers la péréquation. Nous essayons de défendre l'égalité des chances des territoires et des citoyens. C'est la raison pour laquelle nous parlons de, d'ailleurs c'est de la sémantique, mais nous parlons de territoires connectés. Voilà. Parce que qu'on soit au fin fond de la Corrèze, de la Lozère, de l'Ardèche ou à Paris, là, il y a l'égalité des chances des territoires et des citoyens. Voilà. Comment voulez-vous faire venir une entreprise si vous avez une mauvaise desserte d'électricité ou s'il n'y a pas de réseau ou alors encore si l'éclairage public est absent? Bon, ça participe à l'attractivité des territoires. Voilà. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on va le résumer par rapport à vos propos, Audrey. Par rapport à tous les enjeux que vous avez cités, l'éclairage public est un enjeu. Alors, il y a un enjeu et il est aussi un vecteur de la transition énergétique. Nous, on en est certains. Oui. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il faut le moderniser. Vous avez aujourd'hui plus de 50% du parc, hein, qui a plus de 25 ans. Le parc le vieillit. Il faut, on estime 100 milliards, nous, pour le mettre à jour, hein, vraiment, pour l'adapter, le moderniser. Mais avec quel budget, avec quel financement? Je l'ai dit tout à l'heure, dans le plan de relance, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un centime dédié à l'éclairage public. Alors que l'enjeu, enfin, vu tous les enjeux cités, hein, cet enjeu, enfin, l'enjeu global est stratégique. Et c'est là où vous avez la proie. Vous avez maintenant des entreprises qui vont aller voir les petites ou moyennes collectivités qui sont démunies de compétences et qui vont faire miroiter plein de choses. Madame le maire, monsieur le maire, dormez tranquille, on s'occupe de tout. Voilà, puis on va développer de la télégestion, du télépilotage. Ils oublient de dire que les outils qu'ils développent sont des outils propriétaires. Et puis le jour où le contrat prend fin, ils repartent avec leur outil. Ah ben, comment je fais? Ah ben, monsieur le maire ou madame le maire, faut payer. Ah ben oui, mais faut payer, vous impliquiez pas. Voilà. Moi, j'ai reçu un jour une filiale, un patron, un directeur d'une filiale de banque, que je ne peux pas citer, hein. Mais la banque, c'est Lighting, vous voyez, la banque et la filiale Lighting. Bon, je reçois gentiment ce monsieur, ils étaient trois, un avocat, un ingénieur
et le banquier s'assoit. Et la première chose qu'il me dit, vous savez, monsieur, je vais être clair avec vous, je suis là pour faire du pognon. Oh, je vous donne la parole. Hein. Je suis là pour faire du pognon. Bon, bah, je dis, monsieur, moi, je suis là pour défendre les collectivités. Alors, je ne sais pas si on va réussir à s'entendre. Ben voilà, il avait tout dit. Ben, je vais, la conclusion de la petite histoire, on ne s'est pas entendu. Hein. Voilà. Donc, c'est le problème et le point faible des collectivités, bah c'est le nerf de la guerre, c'est le problème des financements. On verra tout à l'heure qu'il y a des solutions de financement, mais au regard de la petite taille et les entreprises démunies de compétences, qui ne transfèrent pas leurs compétences à une grosse AODE, syndicat, métropole, c'est la proie de toutes ces entreprises qui ne sont pas toujours vertueuses, loin de là. Voilà. Alors, financement pourrait... Pardon. Oui. Un financement important, mais quelque part à terme qui pourrait être compensé par les économies d'énergie que. Ben voilà, et c'est ça que je vais dénoncer, moi. Parce que le 1 euro, ah ben je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que là, dormez tranquille, madame le maire ou monsieur le maire, on s'occupe de tout 1 euro. Mais c'est scandaleux. D'ailleurs, je suis en train de faire une étude juridique avec le nom de la charte. On va en reparler de tout à l'heure. Et là, les communes se font piéger et elles posent du matériel qui ne passe même pas le CCTP. Il faut avoir plus de 10 pour passer le matériel. Et quand on demande des échantillons, le matériel, alors ils disent, oh, mais ça s'appelle un simple. C'est un simple simple. Mais d'abord, comment vous l'avez-vous dans vos mains? Voilà, parce qu'on l'a eu. Ça passe. Cotation 4, 5. Sur 20. Ça passe même pas les 10. Voilà. Et c'est ce matériel-là qui vont poser, qui vient d'Asie du Sud-Est, qui tiendra 4 ans. Alors, on achète des luminaires à 24 euros et puis on chasse des C2E dans certaines fiches C2E qui rapportent 75 euros. Vous voyez le gisement, enfin, vous voyez le gap. Puis dans 5 ans, la société aura disparu et puis, la collectivité, elle aura ce mauvais matériel qu'il faudra remplacer. Ben moi, j'appelle ça du gaspillage d'argent public. Juste un autre exemple. Moi, je connais une entreprise, je ne peux pas donner le nom malheureusement, qui est immatriculée à Singapour. Le président, directeur général, PDG, alors lui, il est domicilié à Budapest, voyez-vous. Et puis, ben, il doit 55 millions au fisc français. Alors que nos bons fabricants français qui assurent le service, qui assurent le conseil, l'accompagnement, bah, eux payent leur salaire, payent le fisc, payent les impôts, etc. On y reviendra tout à l'heure, voilà. Mais là, je mets en garde dès maintenant les collectivités. Alors, avant de mettre en garde les collectivités, il est évidemment, pour rentrer dans le cercle vertueux de l'éclairage intelligent, bah, il faut passer progressivement au LED. On est bien d'accord. Alors, en attendant, manque de budget. Je vais peut-être me faire quelques ennemis, mais moi je considère qu'en attendant de passer au LED, bah pour faire des économies, notamment pour les lampes à décharge, enfin tout ce qui est SHP, on peut très bien mettre des variateurs de tension qui vont baisser la tension et qui peuvent générer 40-50% d'économies en attendant de passer au LED. Mais le passage au LED est essentiel parce qu'avec les LED, on peut grader, on peut faire plein de choses, on va le développer tout à l'heure. La deuxième chose importante également, la deuxième étape, vous avez bien compris, c'est l'introduction de l'intelligence dans le réseau. Et qui dit intelligence dans le réseau induit naturellement toute la télégestion, toute la télémaintenance. On pourra développer aussi tout à l'heure. Et puis derrière, vous avez bien compris aussi qu'en passant à travers cet éclairage intelligent, eh bien, on pourra développer et les collectivités pourront développer énormément de services pour leurs citoyens, puis également les entreprises. Voilà. Voilà rapidement les enjeux de l'éclairage public vu de la FNCCR. Hein. Mais les enjeux, mais je vais aussi dire les mises en garde, aussi les chausse-trappes à éviter. Voilà. J'étais peut-être un peu long, mais je tenais à développer. On n'entend plus. On vous entend pas, Audrey. Oui, j'allais dire, on va voir du coup maintenant côté opérateur privé si les enjeux sont partagés. Juste avant, Pierre, de vous donner la parole, une question là qu'on nous pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la LED hein, aujourd'hui est, on va dire, la technologie idéale et est-ce qu'il y a une puissance, on va dire, qui est préconisée pour remplacement des lampes traditionnelles? Ah, je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez forcément répondre, mais...
sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis, on est plutôt effectivement, on préconise de la LED et on peut analyser si on ne travaille que sur le remplacement de la lampe. Là, effectivement, une analyse d'un temps de retour. Et il y a aussi des solutions de contrat qui permettent d'absorber le surinvestissement fait par la LED grâce aux économies d'énergie tout de suite générées et cet engagement peut se contractualiser. Voilà, mais je Ah oui, pense c'est qu'on peut. ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, la compensation entre les coûts versus économie d'énergie. Exactement. Alors, sachant, on sait bien les uns les autres qu'il y a le budget de fonctionnement et le budget d'investissement dans une collectivité et qu'il n'est pas toujours facile de mélanger, mais justement, charge à nous, accompagnés par la FNCCR, de trouver des bonnes contractuels qui permettent d'avoir une équité de charges financières, si j'ose dire, sur le fonctionnement et permettre de faire le remplacement des lampes. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je crois que ma caméra s'est figée, donc vous m'entendez, mais vous me voyez de façon un peu figée sur l'écran. Donc effectivement, Engie Solutions, notre démarche à nous, je rappelle qu'Engie Solutions, ça a été le regroupement début 2020 des structures que vous connaissez sans doute mieux historiquement, que sont Ineo, Axima et Cofeli. Et nous avons effectivement rassemblé nos compétences pour pouvoir apporter aux collectivités, mais également aux industriels, aux résidentiels, aux parcs tertiaires, tout le panel de solutions qui à la fois entraîne l'efficacité numérique, l'efficacité énergétique, bien sûr, qui est notre base, le fait de solliciter les énergies renouvelables tant que faire se peut là où on a besoin de consommer de l'énergie. Et si notre métier, c'est d'en consommer ou d'en faire consommer le moins possible à nos clients, on sait bien les uns et les autres que on aura toujours besoin d'énergie dans l'avenir, sinon, voilà, nous disparaîtrons. Alors, la démarche, effectivement, de solliciter l'éclairage public pour rendre la ville non pas plus intelligente, mais plus disponible en service aux habitants et aux élus, elle est importante. Et mon petit schéma, j'espère que vous le voyez, mais c'est trouver, effectivement, par l'éclairage public, des moyens d'apporter du service complémentaire au seul éclairage, si j'ose dire. Et on va retomber sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux de risque de pollution que les villes génèrent, sur l'aspect, quand on dit mobilité, il y a aussi l'aspect parking, quelles sont les voies, les places disponibles sur un parc de voirie dans la ville. Et après, effectivement, on peut aller jusqu'à d'autres types de services, que sont, Yves en parlait tout à l'heure, la détection d'une qualité environnementale donnée, et notamment la qualité de l'air. On sait que c'est un enjeu important à la fois dans les milieux urbains, mais qui peut l'être aussi en milieu plus rural ou urbain, où parfois ces territoires sont confrontés à des pollutions liées à l'activité agricole, hein, liées à la présence d'une usine à proximité. Donc c'est important de savoir où on en est. Et accompagner aussi la gestion de la nature en ville et le fait, aujourd'hui, les collectivités se sont mobilisées à la fois grâce à la loi, mais surtout grâce à leur volonté politique sur la nature en ville, sur le fait de ne plus traiter trop les espaces urbains, les parcs, et en parallèle, effectivement, bien gérer l'eau, hein, la dynamique, effectivement, de l'arrosage, des systèmes de détection d'inondations. Et puis, bon, le bâtiment durable, c'est un épiphénomène, mais qui est important. Donc, ça, c'est je dirais, les besoins des collectivités, les besoins des élus et de leurs concitoyens. En face de ça, on va mettre en œuvre un certain nombre d'outils, l'éclairage public, bien évidemment, mais pas seulement. Yves le disait tout à l'heure, des capteurs. Et le grand travail d'Engie Solutions va être de rassembler des systèmes d'information propres à chacune de ces compétences pour, effectivement, en les fédérant, essayer de donner de la visibilité aux élus, de la visibilité aux services pour, par exemple, réguler un trafic dans la ville. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais lorsqu'on a l'information qu'une voirie est saturée, ça peut permettre, en jouant avec ces logiciels et ces progiciels, de favoriser le passage des véhicules vers une autre voirie. Et on joue sur le carrefour à feu, on joue sur un certain nombre d'informations. Et j'oubliais dans les exemples que je prenais de service, évidemment la vidéoprotection, vidéosurveillance, et effectivement le fait de lier ce que la caméra voit à l'efficacité de l'éclairage ou à l'efficacité des carrefours à feu, eh bien évidemment, c'est des choses qui aujourd'hui se mettent petit à petit en œuvre. Alors pour rebondir sur ce que disait Yves, je vous ai présenté dans la partie basse de ce slide tout ce qu'un mât d'éclairage peut apporter aujourd'hui. Et c'est effectivement, bien sûr,
d'abord et avant tout l'éclairage lui-même, qui peut être, entre nous soit dit, alimenté par du photovoltaïque, hein, si on met au-dessus de la lampe un capteur photovoltaïque. On va pouvoir mettre en œuvre dans le mât un certain nombre de capteurs, par exemple de la qualité d'air, par exemple de détection d'un niveau d'eau, si on le met au pied du capteur. On va pouvoir, par ce capteur, enfin par ce mât, donner de l'information fédérée, annoncée par la ville. On va pouvoir faire de l'interphonie. Hein, je pense, on connaît déjà bien sûr les systèmes d'interphonie pour les personnes qui ont des problèmes de vision, pour les aider à traverser, eh bien, ce système d'interphonie pourrait être plus large et faire des annonces dans la ville qui donnent de l'information effectivement aux habitants. Voilà, donc le mât et la lampe sont des sources, je dirais, de support d'information, de support de capteurs qui vont permettre à la fois aux élus, mais également aux services, de aider les citoyens, aider les citoyens à mieux utiliser en toute sécurité l'espace urbain. Et c'est vers ce type de solution qu'effectivement nous allons essayer de porter nos démarches. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que disait fort à propos Yves. Lorsqu'on parle de la rénovation de l'éclairage, bien évidemment, il y a l'enjeu des lampes et le fait de mettre des lampes qui vont beaucoup moins consommer, ben c'est en termes de fonctionnement. Alors, je crois que la pression sur les budgets de fonctionnement de l'éclairage public, c'est entre 18 et 20 %, Yves, hein, pas 40 %, parce que malheureusement, je suis bien placé pour savoir que le chauffage des bâtiments… J'ai dit 17 % des factures, mais 40 % sur l'ensemble de la consommation d'une collectivité. Oui, mais c'est souvent le chauffage… C'est le chauffage qui pèse dans les bâtiments et la consommation propre au chauffage sur lesquels, bien sûr, là aussi, on essaye d'apporter des solutions pour diminuer ces consommations. Donc, le mât, j'oubliais parmi les possibilités d'un mât d'éclairage, et je crois que tu en as un peu parlé, Yves, tout à l'heure, le fait d'alimenter en électricité, si on a effectivement, en accord avec Enedis, la bonne puissance qui arrive, on peut mettre au bas du mât, vous verrez dans l'exemple que je donnerai tout à l'heure, un support de recharge pour des habitants qui passeraient, voire un support de recharge pour un véhicule électrique qui se stationnerait à proximité. Donc, et là, on va effectivement rentrer dans des financements de ce mât qui pourraient faire appel à un partenariat public-privé dont on cherche les uns et les autres, les voies et moyens, pour les mettre en œuvre. Mais c'est clairement un sujet qu'il faudra qu'on se pose. Et vous verrez, dans l'exemple d'une petite ville, qu'effectivement, ce sujet-là a été possible grâce à, clairement, on prend une part de l'investissement pour pouvoir faire du service aux concitoyens, en particulier la livraison d'électricité, et éviter à la collectivité d'avoir à rénover la totalité du mât, en plus des lampes à LED. Voilà ce que je voulais dans cette première intervention vous dire, et bien sûr à l'écoute des questions des uns et des autres pour aller plus avant. Alors, merci beaucoup Pierre. Du coup, ouais, j'ai deux petites questions sur l'intégration des nouvelles technologies, ces nouveaux services que vous proposez. Est-ce que les collectivités aujourd'hui, dans les contrats qu'elles passent, sont prescripteurs de ces services, ou est-ce que plutôt vous avez, entre guillemets, une certaine latitude qui vous est offerte pour justement proposer des offres à tiroir ou proposer Alors, plusieurs… Alors clairement, je crois qu'il faut que ça parte, Yves le disait tout à l'heure, d'une volonté politique, et citoyenne. Quelles sont les craintes exprimées par les citoyens en termes de sécurité, d'éclairage sur la route? Quels sont les constats que font les services sur la fluidité de telle ou telle voirie dans l'espace urbain de la ville? Je dirais qu'il faut partir d'un besoin, et ça, on n'est pas nous à même de le proposer, c'est bien la détection du besoin. Il se fait par les élus, les services et les citoyens qui interpellent souvent les élus. Et effectivement, face à ces besoins, on va essayer de trouver un ou plusieurs services qui sera adapté. Et là, moi, les exemples que je connais où l'éclairage public a servi un peu de déclencheur pour arriver à une ville plus servicielle et intelligente, ça a été les services et les élus qui ont travaillé ensemble pour émettre un cahier des charges de type
marché public de performance. Et nous avons effectivement répondu à ces attentes par le biais d'un certain nombre de services. C'est l'exemple d'Angers que Yves connaît un peu, où on a ouvert les chakras sur énormément de demandes, mais ces chakras, c'est bien la collectivité qui était en attente d'avoir des solutions. Alors, deux autres petites questions. Est-ce que la résistance des mains est toujours compatible avec l'installation de nouveaux services? La résistance, alors le mât lui-même, il faut bien sûr, Yves en parlait, l'auditer, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter un certain nombre de supports, capteurs, éléments de régulation, de télégestion complémentaires si le mât n'a pas capacité à résister ou est abîmé à son pied. Enfin, là, il faut faire une analyse objective de sa capacité d'accueil des systèmes qu'on pourrait embarquer. Restons simples. Quand même, c'est souvent, c'est pas un problème de poids, c'est pas un problème d'équipement, c'est des petits boîtiers, c'est des petits capteurs. Tout ça s'est bien amélioré. On est en plus sur de la basse fréquence en termes de récupération de l'information. Donc, il n'y a souvent pas péril dans la demeure, mais clairement, il ne faut pas faire n'importe quoi sur n'importe quel mât, si j'ose m'exprimer ainsi. Entre guillemets, l'introduction de nouveaux services ne nécessite pas forcément en amont la réalisation de travaux de. Non, de travaux très lourds. Il y a un vrai souci d'alimentation électrique parfois, puisque si on arrive à dire que le mât va être borne de recharge, ben, il faut quand même vérifier la puissance qui arrive. Et puis après, effectivement, les éléments de régulation, de télégestion, ben, là aussi, il faut voir où est l'armoire par rapport au mât, voir si on aura suffisamment de place pour pouvoir mettre en œuvre des systèmes de traitement de la donnée qui vont être récupérés. Ça demande quand même un travail de recherche localisé. Et alors, dernière question avant de passer au mode de gestion qui s'adresse peut-être du coup à tous les deux et qui est très, qui rejoint un certain nombre de sujets d'actualité. Est-ce que les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies, de nouveaux services, les impacts sur l'environnement, est-ce qu'ils sont étudiés en amont par les opérateurs ou les collectivités? Je vais laisser Yves répondre, mais c'est une exigence là aussi qui est souvent exprimée, c'est-à-dire que la solution que nous devons apporter doit bien sûr montrer ce qu'elle va apporter et en même temps en mesurer l'impact. Si tous ces capteurs génèrent de la consommation énergétique plus forte, comment celle-ci sera compensée? Je parlais de l'exemple de panneaux photovoltaïques pour alimenter la lampe qui est sous le mât, enfin qui va éclairer. Bah, clairement, c'est toutes ces analyses-là qu'on va apporter au fur et à mesure que le questionnement existe. Et pour les exemples, Angers, comme Dijon historiquement, il y avait nécessité de la part des élus, volonté de la part des élus de se confronter à l'avis citoyen. C'est-à-dire qu'il y avait un panel de citoyens qui étaient invités à exprimer son avis sur à la fois le cahier des charges en amont, mais aussi sur les solutions techniques apportées par les uns et les autres, et nous en particulier, pour dire bah là, OK, ça nous plaît, là, en revanche, quel est le risque? Et à chaque fois, il fallait, question-réponse, répondre à ses craintes et à ses attentes. Oui, moi, si je peux me permettre, effectivement, là, j'y ai Pythagore qui disait tous mesure. On s'est mesuré. Lorsqu'on change une lampe à décharge par une LED, on connaît déjà l'économie qui va être générée. Mais il y a quand même un piège derrière. Et on sait aussi l'économie en CO2. Globalement, c'est 4 millions de tonnes. L'éclairage extérieur, intérieur, ça représente en France chaque année 4 millions de tonnes de CO2 rejetées. Tout se mesure, on le sait bien. Mais attention, parce que lorsque l'on dit, je reprends mon exemple, Madame le maire, Monsieur le maire, on s'occupe de tout. Et vous allez mettre de la LED. Allez, moi je vous garantis 80% d'économie sur l'éclairage public. Attention, l'éclairage public, dans toute facture, vous avez trois termes. Vous avez la consommation, mais vous avez l'abonnement et vous avez les taxes qui représentent près de 30%. Donc les 80%, si 80% il y a, ne portent que sur la partie consommation. On peut baisser l'abonnement structurellement si on met des LED, effectivement, par rapport à l'armoire. Enfin, on peut faire une échelle d'économie de quelques kVA. On peut penser de 12 à 9 ou de 15 à 12, etc. Mmh. Mais globalement, ce n'est pas 80% sur la facture, c'est 80% sur la partie consommation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre à votre question de tout à l'heure, André, on ne change pas une. Ça peut se faire, mais on ne change pas mécaniquement une LED. Une lampe à décharge
par une lettre, ça ne change pas comme ça. Mais parfois, ça nécessite des études de photométrie, des études d'impact, d'éclairage. C'est pas un acte simple. On a un beau contre-exemple avec les LEDEX. Les LEDEX, c'était pareil. Allez, on enlève les lampes à décharge et on met des lampes à bain d'huile. Eh ben, toutes les lampes à bain d'huile, pouf, tombaient sur le mât. L'huile coulait le long des mâts. Moi, je connais des syndicats et des AODE et des communes qu'on a acheté pour centaines de milliers d'euros de LEDEX. Voilà. Ça veut dire quand même, avant, il nécessite une étude, un accompagnement. Et ça, c'est pas d'un claquement de doigts. Donc, attention aux miroirs, aux alouettes. Et je sais que Pierre va en parler. Moi, j'avais visité avec Dany, mon ami Dany, joli, je sais qu'il est présent, mais que je salue aussi. Il est présent aujourd'hui. Nous avons visité le lab d'Engie Solutions dans la région parisienne. Et je... À Lieusaint. C'est une très, très belle synthèse de tout ce que vient expliquer Pierre. Voilà. OK. Je pensais qu'il est invité. Alors, Yves, je pense qu'avec votre regard, enfin, en tout cas votre retour d'expérience, tout ce que font les membres de la FNCCR, vous avez une vision assez exhaustive des différents modes de gestion auxquels recourent les collectivités pour moderniser leur parc d'éclairage. Est-ce que vous pouvez nous adresser aujourd'hui un panorama, alors pas d'un point de vue juridique, mais effectivement plus sur le plan financier ou personnel, pour voir quels sont les modes de gestion aujourd'hui qui sont le plus employés, pourquoi ? D'ailleurs, c'est ceux qui sont le plus employés. Et entre guillemets, avec les retours d'expérience que vous avez, les avantages et les inconvénients de chacun. Si du coup, ça peut aiguiller certains des participants dans les choix qu'ils doivent faire. Oui, effectivement, il y a plusieurs modes de jeu. Alors, on ne va pas faire l'exégèse des textes, c'est évident. Bon, il y a une avocate avec nous, elle s'appelle Maître Audrey Morel. C'est pour ça que j'ai bien précisé que ce n'était pas juridique. Non, c'est vraiment un retour au terrain, là, honnêtement. Bah, globalement, c'est ce que j'écris. Globalement, le mode de gestion qui prédomine, c'est la gestion directe par la collectivité. Ce qui n'exclut pas, dans la gestion directe, de faire appel à des prestataires privés, dans le cadre des marchés publics ou des marchands de travaux. De marché de travaux, voilà. Mais ça, c'est le mode de gestion qui prédomine. Il y a un deuxième mode de gestion, on peut aller… Voilà, de toute façon, les sacs seront mis à la disposition des participants. Voilà, comme je peux trouver, voilà, le temps avance. Et puis, un deuxième mode de gestion que j'ai expliqué à travers deux slides, celui-là et puis deux autres, c'est le mode de gestion délégué. Tout le reste, hormis donc 62 plus 15, ça fait 77. Après, quels sont les modes de gestion? Mais est-ce que la gestion déléguée n'a pas vocation, en tout cas, à prendre du volume par rapport à la gestion directe, avec les objectifs d'économie d'énergie auxquels sont assujettis de plus en plus les collectivités, avec l'imbrication effectivement des nouveaux services, etc. C'est une question ouverte que je pose. Oui. Mais est-ce que, je parle juste de l'éclairage intelligent, pour le coup, et moins d'éclairage public, on va dire, la gestion classique. Est-ce que ce mode de gestion déléguée n'aurait pas davantage sa place qu'un mode de gestion en direct? Bon, je ne vous cacherai pas que nous privilégions à la FNCCR le mode de gestion directe, ça c'est clair. Parce que ce qui est intéressant, vous voyez, je parlais tout à l'heure de transfert de compétences, ça n'exclut pas le choix des maires sur le design des mâts, sur le choix de l'éclairement. Les maires sont associés, donc ils gardent, même si on transfère la compétence, le syndicat récupère la compétence, mais dans le mode de gestion, le maire garde toutes ses prérogatives et les élus sont associés. Nous, c'est notre mode de prédilection, ça, je ne vous le cache pas. Bon, il y a le mode de gestion délégué. Cela étant, le mode de gestion délégué auquel vous faites référence, Yves, donc si on parle de MGPD ou de marché de partenariat, ouais, vous l'avez mis dans vos slides, ce n'est pas une DSP. Oui, donc, on a tellement été échaudés avec nos collectivités. On a tellement été échaudés qu'on est quand même prudent. Tout ce qui est CPE, alors Pierre en parlait, alors je sais que INEO est une entreprise, enfin maintenant c'est Engie Solutions, est une entreprise vertueuse, mais tout le monde n'est pas vertueux. Voilà. Donc, nous, on a eu tellement de retours d'expériences malheureuses, des expériences, qu'on est quand même échaudés. Donc, il faut être très, très prudent par rapport à ce mode de gestion. Voilà. Et on revient au problème de financement. Voilà.
Et alors, dernière question. Et en plus, attends, les modes de gestion délégués ne sont pas des DSP. Hein. Il n'y a pas de contrat. C'est ce que je disais, Yves. C'est pour ça qu'il faut peut-être relativiser à travers le terme de gestion déléguée, parce que les modes de gestion déléguée, en fait, en réalité, c'est des marchés. Donc, les collectivités restent maîtres d'ouvrage. Donc, entre guillemets, c'est que par rapport à d'autres secteurs, ce qu'on peut retenir quand même, hein, c'est que quel que soit le mode de gestion, les collectivités, en tout cas, gardent quand même principalement la main, in fine, hein, je veux dire, sur le. Sur, Elle reste maître d'ouvrage, voilà, c'est ça, elle reste maître d'ouvrage, elle ne profite pas de tout aux mains des opérateurs, comme je voudrais rebondir sur ce que disait Yves, si je puis me permettre, parce que le constat qu'on fait, les marchés de partenariat, par exemple, ont fait l'objet de beaucoup d'analyses positives, critiques, mais je crois que tu seras d'accord avec moi, mais sur l'éclairage public, que ce soit les nôtres, on en a quand même gagné un certain nombre, à Épinal, à Chaumont, en région parisienne, dans le Nord, ces marchés de partenariat ont eu globalement un indice de satisfaction plutôt élevé. Et je le rappelle, hein, l'intérêt des contrats de performance énergétique, qu'ils soient sous la forme de marché de partenariat ou d'un marché public global de performance, MGPE, clairement, on est sur un engagement avec une exigence exprimé par la collectivité en termes de besoins, en termes de garantie de résultats, garantie en termes d'éclairage, garantie en termes de consommation future. Je rebondis sur ce que disait Yves, c'est bien la consommation qu'on va cibler, et qui dit consommation baissée dit baisse de l'impact environnemental, baisse de la pollution, baisse des engagements de puissance qui sont intéressants pour tout le monde. Et le contrat de partenariat ou le marché de partenariat, de marché global de performance, c'est un engagement dans la durée. C'est-à-dire que si on se plante, nous, les industriels qui agissons et qui mettons en œuvre les solutions qu'on a préconisées et qui sont souvent d'ailleurs analysées par à la fois les collectivités locales et leurs AMO, hein, qui les accompagnent pour nous challenger et pour nous faire cracher les meilleures de nos solutions. Et derrière, une fois qu'on a mis en œuvre les travaux et réalisé ces travaux, la garantie de performance, elle va tenir la durée du contrat. Et si on ne tient pas cette garantie de performance, on est pénalisé. On est pénalisé financièrement, on est pénalisé en termes d'image, et c'est important pour nous. Donc, on évite, entre guillemets, de faire n'importe quoi quand on met en œuvre ces contrats, parce que on va accompagner la collectivité pendant une certaine durée, et objectivement, sur les expériences que nous avons vécues sur l'éclairage public, on a, je touche du bois, j'en ai devant moi, plutôt de bons retours depuis des années. Alors tu as raison, Pierre, parce que les contrats de partenariat, moi je pensais plutôt CPE, mais les PPP par exemple, tu as raison, s'inscrivent dans une durée entre 15 et 25 ans en général, c'est ce qu'on voit à la fédération, et puis ces 15-25 ans couvrent la durée d'amortissement des investissements, ça c'est normal. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est 15-25 ans. T'oublies de dire une chose quand même, c'est que ce mode de gestion est réservé comme au marché supérieur à 2 millions d'euros. Hein. Oui. Voilà, donc ces marchés-là ne s'appliquent pas partout. Voilà, il faut que le marché soit supérieur à 2 millions d'euros pour un PPP. Voilà. 2 millions d'euros d'investissement. Oui. Comment? D'investissement, oui, c'est vrai. Oui. Oui, oui. Bah, j'ai présenté dans les slides, hein, vous le verrez après. Voilà. Nous, on privilégie le mode de gestion direct. Bon, il y a le mode de gestion, bien sûr, délégué, qui est aussi un bon outil. Voilà, bah, voilà. Donc, je présente, bah, vous avez l'occasion de lire. Hein. On a dit qu'on n'allait pas faire du juridique ce matin, ni l'exégèse des textes. Hein. Voilà, c'est ce que je disais, une durée généralement comprise entre 15 et 25 ans. Voilà, c'est ça. Mais super à 2 millions d'euros. Et la collectivité garde la main. Voilà. Alors c'est vrai que les marchés de partenariat, ça peut aussi, entre guillemets, faire peur aux collectivités, parce que c'est, il y a un a priori. Bon, d'ailleurs, il faut faire une étude préalable, hein. Enfin, je veux dire que bon, c'est quand même une étape supplémentaire par rapport à d'autres modes de gestion. Puis c'est vrai que le terme, enfin, il y a en termes d'après de suivi, hein, ça peut aussi être, c'est moins en tout cas apprivoisé par les collectivités qu'un marché effectivement classique ou même un marché public global de performance. Et pour une petite collectivité, effectivement, on peut penser que le marché de partenariat n'est pas forcément adapté. Et vous engagez, et mettez-vous à la place d'un élu ou d'une élue. Vous engagez votre collectivité pour 20 ans, 25 ans. Alors, même si les risques, comme dit Pierre, sont quand même relativement faibles, enfin, vu la vision de Pierre, d'industriel, mais vision maintenant d'une collectivité, d'un élu. Vous engagez votre collectivité pour 20 ans, pour 25 ans. Vous imaginez le risque? Ou la prise de risque de l'élu, il a le droit de se poser ces questions, tout à fait légitimes. Voilà. C'est pour ça que les collectivités sont quand même
peu favorable à ces grands partenariats de longue date, longue durée. Mais c'est un outil qui existe, je suis d'accord. Ok. Donc le marché de partenariat. Le financement, du coup, est-ce que vous en avez énuméré certains? Bon, concrètement, aujourd'hui, quels sont les modes de financement les plus accessibles, on va dire, et surtout les plus, on va dire, celles qui, en termes de volume, hein, les plus conséquents? Alors, dans le financement, il faut rappeler le contexte. Hein. Je me permets de rappeler le contexte. 100 milliards d'euros pour rénover, moderniser, adapter le parc de l'éclairage public. 100 milliards. Hein. L'éclairage public, c'est 2 millions d'euros chaque année. Vous avez 1 million d'euros dépensés par les collectivités en maintenance. 1 million. Et 500 millions, on dit 450, bon j'arrondis, hein, on n'est plus à 50 millions près maintenant, je plaisante. 500 millions de renouvellement, donc c'est-à-dire l'investissement, et 500 millions dédié à la consommation d'énergie pour les collectivités. L'ensemble, le sigma des collectivités verse 500 millions chaque année pour payer les factures d'électricité, consommation. Donc, c'est 2 millions d'euros par an. 2 milliards. Non, 2 millions. 2 milliards, j'ai dit millions, non, c'est milliards. C'est 2 milliards, je dis milliards. C'est 2 milliards. Ah oui, parce que 500 millions de renouvellement de parc. Donc, d'investissement, 500 millions de consommation, donc c'est 2 milliards chaque année. Vous voyez, l'impact, c'est énorme, l'impact de l'éclairage public. Voilà, donc il faut bien resituer le contexte. Oui, c'est 2 milliards. Alors, il y a des outils. Bon, on va pas là encore, on va pas faire exégèse. D'ailleurs, le guide de l'éclairage public cite et détaille d'ailleurs tous ces outils. Bon, déjà, si on peut baisser le prix de la consommation, les syndicats aujourd'hui se regroupent. Par des ententes régionales, hein, dans le cadre de groupements d'achat qu'a instauré d'ailleurs la FNCCR. Bon, les groupements d'achat, on peut gagner 30, 20, 30% sur le prix d'électricité. Voilà, c'est plus facile de vivre, de livrer et de payer en bloc, en grande quantité. Ben ça, c'est classique. Hein. Donc, il y a l'achat mutualisé pour faire baisser le prix d'électricité. Alors, c'est vrai que l'outil aujourd'hui qui est utilisé, ce sont les fiches d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, vous avez 5 fiches qui permettent de rémunérer les opérateurs à travers les économies qui vont être générées par notamment le remplacement des SHV, entre autres, par des LED. Alors ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que nous, on a une autre piste à la FNCCR. Vous avez aussi un outil qui est très peu connu, c'est le FCTVA, hein, que je ne veux pas détailler, mais vous pouvez récupérer la TVA sur l'éclairage public. Vous avez aussi les redevances aux concessions de distribution. Ben vous savez que notamment dans les redevances, alors vous avez la R1, c'est le fonctionnement, vous avez la R2. Les syndicats, comme les redevances ne sont pas fléchées, eh bien les syndicats font ce qu'ils veulent de cet argent. Alors, les syndicats, alors je parle syndicats, mais aussi nos amis des métropoles, quand on dit qu'elles font ce qu'elles veulent, en général, elles remettent 99% ou 98% des redevances sur le réseau. Hein. Toujours pour améliorer le réseau, le moderniser là encore et l'adapter aux besoins. Voilà. Donc les taxes servent aussi à aider les collectivités. Je sais qu'au Siseco, sous la présidence du président Jacques Ney, et je crois que Bruno est là, Bruno Cadix pourra confirmer, je crois qu'elle s'accompagne à hauteur de 50%, si j'ai bonne mémoire, à 50% l'aide des collectivités. Donc quand ils rénovent leur parc, le syndicat met 50% aide à hauteur de 50%. Je crois savoir que d'autres syndicats, pour ne pas le nommer, allez, on va parler de la Haute-Garonne, je crois que c'est 80 ou 85%. Et vous, le fait de s'adosser ou d'avoir transféré au syndicat, c'est aussi une aide financière, que c'est le syndicat qui va prendre en charge le renouvellement de l'éclairage public. Voilà. Donc, il y a les redevances, hein, qui aident. Vous avez aussi la TTCFE. Alors là, il y a une réforme de la TTCFE à partir de 2023, hein, où il n'y aura plus de TTCFE municipale, les taxes municipales à zéro, puisque pour se conformer à une directive européenne, là, on nivelle. Alors, je n'ai jamais vu, c'est la première fois de ma vie que je vois un nivellement. J'ai toujours vu, moi, les nivellements par le bas. Là, on nivelle par le haut. Hein. C'est-à-dire que là, la taxe, elle sera automatiquement. Alors, il y a un délai, hein, étalé dans le temps, mais la taxe de la
les taxes municipales seront élevées et harmonisées à 8,5%. Ça veut dire que vous avez 20% des communes, 20% des communes françaises où les élus avaient fait le choix, et le parti avait pris parti de mettre la taxe à zéro, bah, mécaniquement, comme une ordonnance, parce que c'est la transposition d'une directive européenne, eh bien, 20% des communes vont voir les factures augmenter de la part de leurs concitoyens. Et pourquoi avaient-ils mis la taxe à zéro? Bah, c'était pour pas obérer leur budget. Parce que d'augmenter la taxe de 0 à 8,5, hein, eh bien, cette augmentation a un impact de 55 euros par an pour les foyers. Bon. Donc, vous avez aussi la taxe qui peut aider, que reverse les AODE pour aider également les collectivités. Alors, vous avez les fonds de concours aussi. Parce que les fonds de concours, vous savez, les budgets des collectivités s'inscrivent sur une année. Mais quand vous avez des grands projets industriels, eh bien, vous pouvez étaler un grand projet de plusieurs millions d'euros, vous l'étalez sur 3, 4, 5 ans. Alors, nous avions persuadé la DGCL, voilà 7, 8 ans, d'utiliser les fonds de concours. Et puis, curieusement, retournement de situation, un directeur de la DGCL, je ne l'aurais pas, change son fusil d'épaule et considère que les fonds de concours vont obérer les budgets des collectivités et surtout vont endetter les collectivités, considérant que les fonds de concours sont d'investissement. Or, les collectivités, les budgets sont en berne, voilà, beaucoup de collectivités sont en difficulté et la DGCL ne voulait plus utiliser les fonds de concours. Alors nous, à la FNCCR, nous avons milité et nous avons mobilisé nos parlementaires. Ça nous a pris quand même un bon moment. Ça fait l'objet de nombreuses discussions au sein du CA. Là, je parle sous couvert de nos élus ici présents et membres du conseil d'administration de la fédération. Et il a fallu ferrailler 18 mois pour permettre aux collectivités d'utiliser à nouveau les fonds de concours. C'est un merveilleux outil d'investissement, le fonds de concours. Bon, vous avez aussi les contributions budgétaires des communes. Hein, les syndicats peuvent demander aux communes aussi de mettre la main à la poche. Et puis, peut-être pour 30 ou 40 euros par PDL, on va vous aider. Mais voilà, on vous aide, mais de votre côté, vous nous aidez. Tout ça, ça participe aussi à des partenariats. Puis, vous avez aussi des fonds européens. Je pense au FEDER. Hein, on assure des formations aussi à la FEDE pour le FEDER. Vous avez des départements, notamment ultramarins, qui bénéficient de, alors c'est, j'en connais un, ils bénéficient de un peu plus d'un milliard, hein, du fonds européen pour aider le développement des réseaux. Voilà. C'est-à-dire que vous avez énormément d'outils à la disposition des collectivités. Mais celui aujourd'hui qui est très tentant, ce sont les C2C. Oui, c'est ça, effectivement, je rejoins Yves. Et par rapport au FEDER, c'est vrai que la dernière fois, on avait quand même soulevé le fait que c'était quand même compliqué, je veux dire, hein, pour une collectivité, hein, d'obtenir des fonds FEDER. Enfin, je veux dire, c'était des dossiers qui étaient lourds à monter, c'était long. Enfin, voilà, c'était pas forcément l'outil, en tout cas, qui était plus favorisé pour avoir des sources de financement, en tout cas. Eh bien, vous dites exactement, vous abondez dans mon sens. Une collectivité qui n'a pas beaucoup de moyens. C'est très compliqué de faire un fonds de FEDER. Alors, nous, on aide nos adhérents. Hein. Mais c'est sûr qu'une collectivité, pardonnez-moi, je vais inciter lourdement, mais qui s'adosse à une grosse AODE, enfin, qui a tous les moyens, eh ben, l'AODE peut aider la collectivité. Alors, derrière ce financement de l'éclairage public, comment financer quand même la modernisation, le passage au LED? On a vu tout à l'heure passage progressif au LED. Alors, nous, à la Fédération, moi, je rêve. Nous rêvons on va pas jouer les Don Quichotte, mais d'un programme acté. Vous savez, maintenant, les programmes, il y a plein de programmes actés, hein, ça vous parle, hein. Mais le programme acté, c'est plutôt pour, s'inscrire plutôt dans les bâtiments. Parce que les bâtiments, on parlait de 6 TWh dans l'éclairage public. Les bâtiments, c'est 85 TWh. Hein. C'est la mobilisation de un peu plus de 4 centrales de nucléaire. Hein. Et les plans actés sont dédiés aux études. Hein, les plans, les programmes actés servent à financer des études d'impact, servent à financer de la formation. Bon, on pourrait le faire pour l'éclairage public. Et moi, j'avais pensé à développer un acté 6, acté 7, notamment pour une action toute simple. Par exemple, c'est pour éradiquer les boules fluorescentes. Vous avez encore 1 million de boules en France et vous avez un arrêté du 10, celui qui est très mal écrit, que j'énonçais tout à l'heure, l'arrêté du 27 décembre 2018, qui impose d'éradiquer les boules avant 2025. Il va falloir aller très très vite.
Avec quel argent? 1 million de boules à financer. Bon, si on part sur un budget, allez, on va dire entre 500 € et 1 000 euros, bon, on peut compter 1 million à peu près, hein, pour éradiquer ces boules. Voilà. Donc, je rêvais, moi, d'un programme acté, mais est-ce qu'il faut financer des études, toute la formation? Et je me demande si on ne pourrait pas travailler sur des fiches CDSE ou une fiche, soit on adapte les fiches actuelles, existantes, ou alors on crée une fiche avec l'aval du ministère et on crée une fiche dédiée C2E, justement, pour s'adapter à la rénovation énergétique, mais avec un programme très clairement identifié et très ciblé. Voilà. Voilà tous les moyens de financement possibles, imaginables, à la disposition des collectivités. Merci. On va terminer par un retour d'expérience de la part de Pierre sur les projets que justement vous avez remportés. Oui, Et alors aussi, peut-être, je. ça permet de faire une petite conclusion hein, sur les modes de gestion et de financement qu'on vient d'évoquer. Merci Audrey. Je voulais juste montrer qu'effectivement tout est possible sur l'ensemble du territoire et vous donner l'exemple d'une petite ville qui se trouve dans le Cher, qui a d'ailleurs été accompagnée, Yves, par le syndicat SDE 18, que tu dois sans doute connaître, Le président pour. est marre de Germay. Pardon? Le président est marre de Germay de Cirefontaine. Voilà. Et donc, monsieur le président, je crois d'ailleurs, est venu visiter ce beau village de Baugy, et où là, la démarche a été la volonté de la mairie de répondre à un certain nombre de problématiques qui se posaient à proximité de l'école, sur la place centrale, pour effectivement montrer aux habitants et aux touristes qui passent de temps en temps dans cette belle ville des éléments particuliers de la démarche. Et par ailleurs, il y avait historiquement un problème de mise à jour de l'éclairage public qui se posait. Eh bien, il y a eu une procédure de marché d'innovation, hein, qui a permis, effectivement, de faire un certain nombre de prestations qui se sont complétées les unes aux autres. L'éclairage public, bien évidemment. La notion de sécurisation d'espace, vous voyez en haut, enfin sur la gauche, pardon, de l'écran, l'accès à l'école. Il y a eu une problématique de chemin un peu délicat de passage. Eh bien là, à la fois, il y a eu des caméras qui ont été installées et l'éclairage public qui a été rénové. Et sur la place centrale, qu'on devine à la confrontation des biens, ont été installés un mât un peu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure dans le slide précédent, où il y a à la fois une borne de recharge pour que les habitants puissent venir connecter leur téléphone, c'est juste un chargeur USB. Il y a un petit système d'information à la population et aux habitants qui passent, une borne Wi-Fi qui a été également installée pour que les uns et les autres puissent trouver du Wi-Fi à l'endroit dont ils avaient besoin. C'est une ville de 1 700 habitants, donc qui a fait un marché d'innovation accompagné par le syndicat et qui nous a permis et qui a permis à la ville d'être dotée aujourd'hui d'un certain nombre d'outils innovants qui se fédèrent entre eux, qui permettent de fluidifier les passages, de sécuriser les passages. Et je pense que c'était important de montrer que où qu'on soit et quelle que soit la taille de sa ville, on peut aujourd'hui faire des marchés qui permettent d'aller de l'avant et de donner de la visibilité aux concitoyens, si j'ose dire, visibilité notamment grâce à l'éclairage. Moi, je voulais revenir un peu aussi sur les différents types de contrats pour dire qu'il existe, Yves, tu parlais des boules, on a, nous, pu mettre en œuvre des contrats de location temporaire du bloc lumineux sur un mât. C'est un système on met à disposition effectivement la partie lampe du mât. On fait, nous, l'investissement avec une espèce de location-vente, si j'ose dire, qui va durer 5 ans. C'est un marché qui a été mis en œuvre, alors pas très loin du Cher, dans le Loiret, sur un contrat de 5 ans. On va remplacer la quasi-totalité, notamment des boules qui existaient dans cette ville, avec un engagement. Effectivement, il fallait que les mâts soient audités. Donc là, c'est en cours d'ailleurs, je crois que ça se termine par la ville. Mais on va remplacer le bloc lampe et l'intégralité des systèmes à notre charge à nous financière. Et c'est, Audrey, on en parlait tout à l'heure, c'est l'économie d'énergie générée par cette démarche
qui permet de ne pas faire supporter à la ville un coût d'investissement one shot sur un exercice budgétaire municipal, mais bien d'avoir une garantie de fonctionnement donné. D'ailleurs, globalement, c'est même une petite économie de 10%, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai plus le contrat complètement en tête. Mais voilà, les possibilités contractuelles se sont aujourd'hui un peu ouvertes. Et encore une fois, j'y tiens. Nous, on croit au contrat de performance énergétique où, quelque part, une ville, quelle que soit sa taille, peut exprimer des besoins, des attentes en termes d'éclairage, en termes de puissance, en termes de consommation future, en termes d'impact environnemental. Et c'est à nous de trouver des solutions qui vont mobiliser, Yves le disait très bien, les C2E, les subventions possibles, qu'elles viennent du syndicat départemental, qu'elles viennent de l'ADEME parfois. Alors c'est vrai que sur l'éclairage public, là je le reconnais, il n'y a pas grand-chose en termes de capacité de subvention. Mais il faut qu'ensemble, la collectivité et nous, en tant qu'acteurs industriels, on puisse trouver les voies et moyens pour améliorer les choses. Et honnêtement, je trouve que les marchés publics, depuis plus de 20 ans maintenant, petit à petit, ont permis d'avoir une intelligence d'achat, une exigence, bien sûr, clairement exprimée par les collectivités ou celles et ceux qui les accompagnent, les syndicats en particulier, pour apporter les moyens de trouver voilà, une ville meilleure, une ville plus servicielle et en même temps, bien sûr, bien éclairée. J'ai le sentiment que autant le passage au LED se fait assez naturellement, autant est-ce que la bringue intelligente, entre guillemets, enfin, la fourniture des nouveaux services hein, dont on parle depuis tout à l'heure, hein, à travers les mâts, à travers le parc cheminière, est-ce que cette bringue intelligente, est-ce qu'aujourd'hui elle est systématiquement intégrée dans les marchés des collectivités? Non, bien sûr. Non, là, c'est clairement, on est, enfin, d'où ce webinaire aujourd'hui, mais on est plutôt dans la pédagogie que le faire est possible. Mais il faut que, pour la liberté contractuelle et l'égalité de traitement, bien sûr, et les obligations liées au marché public que vous connaissez bien, Audrey, voilà, il faut exprimer ce besoin pour que chacun. Alors après, le marché d'innovation que je vous ai présenté là a permis effectivement de le faire en direct, hein, mais ça a été validé par la DGCCRF de ce département, par la collectivité qui a fait la demande au niveau de la préfecture. C'est possible, ça, c'est un peu compliqué à monter, mais un marché global de performance, il faut effectivement que l'expression d'une attente, l'expression du besoin soit faite dans le cahier des charges. Sinon, on est parfois effectivement un peu en limite de la capacité. Après, si on part sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est nous, Engie Solutions ou d'autres, qui investissent par exemple sur le mât, qui va apporter des services qui sont des services de type commerciaux, l'alimentation d'un véhicule électrique par exemple, eh bien là, on peut, voilà, il faut trouver un mode conventionnel. C'est des marchés qui restent et des démarches contractuelles qui restent un petit peu à inventer, mais c'est vers ça effectivement qu'on pourra aussi aller pour trouver des solutions aux uns et aux autres. Mais à mon sens, il faut avant tout une vision politique. Alors là, je rejoins Pierre, effectivement. Et là, les industriels, j'adhère à tes propos, puisque l'entreprise, et vous fonctionnez d'une façon vertueuse, mais l'entreprise peut aider aussi. Alors, il y a les syndicats, il y a les ODE. L'entreprise peut, vous savez, les collectivités ont besoin des entreprises, et les entreprises ont besoin des collectivités, qui sont quand même les plus gros investisseurs en France. Hein. Faut pas l'oublier. Effectivement, tout le sens aussi du conseil que peut apporter aussi les entreprises, mais avant tout, il faut avoir une vision politique. Je voudrais souligner aussi un contrat dont on n'a pas parlé, je pense qu'il doit être valorisé, qu'il n'est pas assez connu, ce sont les contrats de transition écologique dans le cadre des TEPCV, qui bonifient grâce aux fiches C2E, qui bonifient quand même de 20% hein, quand même, hein, les C2E. Alors, vous avez deux régions qui sont en pointe, c'est la région Occitanie, ouais, c'est Occitanie, vous avez une autre région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, on répond à des appels à EMI. La collectivité, elle est lauréate. Eh bien, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à ces contrats de transition écologique qui apportent un bonus de 20% sur les fiches. Voilà. Donc, je vous invite aussi à creuser cette piste-là, contrat transition écologique. On ne l'a pas abordé, on n'en a pas parlé ce matin. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'outils. Hein. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ok, du coup, si on revient par rapport au thème général du webinaire, quand on dit tendance ou nécessité pour les collectivités, donc moi ce que je retiens, c'est que c'est nécessité de rénover le parc luminaire, nécessité effectivement de faire des économies
d'énergie. Après, par contre, l'éclairage intelligent en tant que tel reste toujours une question de choix et d'opportunité plus qu'une réelle nécessité. Bah, c'est oui et non, c'est-à-dire que l'éclairage, c'est un élément, je dirais, voilà, de gestion du patrimoine, mais on se rend compte que le mât d'éclairage peut être bien plus que cela en particulier. Et donc là, c'est l'analyse, vous le disiez Audrey tout à l'heure, il faut qu'on aille plus vite dans ce qui se passe en termes de réchauffement climatique. Comment je peux solliciter mon mât d'éclairage pour qu'il m'aide à réguler mes flux automobiles, pour qu'il m'aide à réguler et à constater éventuellement une élévation d'un niveau d'eau, etc., etc. Donc c'est, je pense, un élément déclencheur qui doit permettre d'ouvrir le débat des besoins liés à la lutte contre le réchauffement climatique et comment on peut, grâce à lui, trouver et aller de l'avant sur d'autres sujets, je pense en particulier à la mobilité, à la qualité d'air, qui sont des éléments importants pour le bien-être en ville. Oui, mais ça prend davantage de sens si c'est mutualisé à une maille importante. Moi, je reviens sur le cas du Finistère. Dans le Finistère, tous les élus sous l'égide du président du SDEF, syndicat du Finistère, tous les élus ont échangé. Au départ, ils n'étaient pas d'accord et ont réussi à se mettre d'accord autour d'une table. Et aujourd'hui, vous avez un système, on est pour, on est contre, peu importe. Il y a le système LoRa, un système de communication, système LoRa, avec voilà, donc mutualisation des coûts, on met des LED partout dans les communes, chaque maire a autorité pour pouvoir couper depuis chez lui à travers un système de pilotage et de gestion qui est ouvert, c'est pas un système propriétaire, hein, tout le monde a accès, toutes les collectivités, le maire depuis Plourin ou depuis Morlaix peut couper, enfin ce sera pas le maire qui coupe pas évidemment, mais il peut éteindre l'extinction, peut grader, etc. Voilà, le système, il est partagé, on mutualise les coûts. Et là, toute cette intelligence prend sens et fait sens au service du citoyen et des collectivités, parce que là, je suis sûr que le CO2, il y en a moins, et l'échelle des coûts, c'est draconien. Moi, je vous invite à regarder sur Internet le projet de Smart du Finistère. Je ne vais pas le développer, puis on n'a pas le temps, mais pour moi, voilà un très, très bel exemple. À Nantes aussi, moi je suis Nantes, j'habite à Nantes, ce que fait la métropole de Nantes, c'est extraordinaire, toujours dans une recherche de mutualisation des coûts. Voilà. Il faut une maille, il faut une masse, et aussi il faut une vision politique. Enfin, c'est la posture de la fédération. Oui, à force de répéter. Ah ben, merci à tous les deux en tout cas. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On a à la fois un certain nombre de problématiques et un certain nombre de solutions. Hein. Maintenant, effectivement, il y a un travail de sensibilisation effectivement, des élus à faire et puis effectivement une volonté politique derrière, comme dit Yves. Mais en tout cas, bon, l'éclairage intelligent reste quand même un des chantiers d'avenir et notamment une brique importante des territoires intelligents. Bah, écoutez, je vous remercie tous les trois. C'était vraiment intéressant d'avoir cette triple vision à la fois côté collectivité industrielle et l'expertise juridique de Maître Audrey Morel. Voilà, donc nous avons eu beaucoup de questions que je vous retransmettrai derrière auxquelles nous n'avons pas forcément pu répondre durant ce webinaire. Mais voilà, c'était fort intéressant. Il y avait beaucoup de participants. Donc merci encore. Et puis à tous un bon appétit. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire La Gazette des Communes. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci Audrey pour l'invitation. Au revoir. À votre disposition pour répondre. Hein. Okay. Salut Yves, ok, il n'y a pas de problème. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.